Salut à tous, c'est Redkov, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de World of Warcraft Légion pour les nouvelles quêtes, celles où normalement aujourd'hui est sorti le jour où on doit sacrifier, on va dire, notre arme prodigieuse pour je ne sais quelle raison, je ne sais quelle raison plutôt. Donc, on va aller découvrir ça ensemble. Alors, c'est pour ça que j'ai lancé avant, parce que si je lance et que d'un coup il y a un personnage qui me parle en mode coucou, voilà, faut que ton arme prodigieuse, il faut la sacrifier pour telle raison. Et bien sûr, voilà, si j'ai ça, moi je vais être un peu pris au dépourvu et vous ne verrez pas ce moment de frappe, parce que je ne sais pas si c'est pour chaque classe, si c'est un personnage différent, si c'est différent, ou si c'est juste. Voilà, si c'est juste. Je crois, mais. Magnir, je crois, je sais plus, vous savez, le nain qui est dans le diamant là, qui arrive et qui fait bonsoir, tu dois aller sacrifier ton arme. Alors, on va aller voir ça. Alors, le chargement est un peu long, excusez-moi, il n'y a que le chargement qui est long chez moi. Putain, j'étais là en mode, oh, c'est le moment le plus épique de la musique, Nick Voras. Allez, c'est parti. Champion, Ah, c'est vous Magnir. avez les tensions s'intensifient, oui. Mais je vous demande de mettre vos différends de côté une fois encore. Ah. Rejoignez Silithus, tant qu'il nous reste un monde à défendre. Devine, suis-je, j'ai ces dragons gardés, mais aucun d'eux n'a jamais peur. Mais j'étais à Calais pour parler à Khadgar, et genre, c'est lui, on a fini d'arriver. Impossible de voir s'il avait marché, mais il faut oser. Venez en situ, retrouver à la plaie le temple d'Azeroth et comptez. Oh. Ouais, ça d'accord. J'ai reçu une lettre, hôtel des ventes, ça veut dire que. Ah non, c'est peut-être. J'ai pas eu mon truc. Votre fief est attaqué. Hein? Ah oui. Ça c'est autre chose. Alors, ils disent de venir en Silithus. Comment on y va en Silithus, hein? Je suis déjà paumé, Silithus, c'est où? Eh ben, je suis con un peu, on a qu'à aller prendre. Soit Uldum ou. Excusez-moi, la fatigue arrive chez moi. Mais ouais, alors qu'est-ce qu'il veut bien nous demander? Bon, comme j'ai dit, c'est le truc de sacrifier son arme. Mais il nous dit de venir, parce que c'est très urgent. Mais surtout, c'est. Le truc, c'est. Voilà, c'est. Genre. Il est passé partout, il n'y a personne qui connaît ça. Par contre, Khadgar et Ségri, moi, on a trouvé une hypothèse. Donc, qu'est-ce que ça va bien être? Alors, les chargements sont longs, mais as fuck, allez. Merci. Ok, déjà, attendez, déjà je joue ma boîte aux lettres. Ok, ouais, je vends des trucs de. Tu vois, genre pour tout ça, mais je ferai ça après. Je ferai ça. Alors, Silithus, si on regarde bien. Le plus proche, Silithus, Feralas. Tanaris. Faut passer par Orymar. Ah, c'est le solstice d'été aussi. Malheureusement, le solstice d'été, je l'ai déjà fait, donc voilà, je le refais pas. Ça sert à rien. C'était celui d'il y a 2 ans. Je l'ai vraiment torché, donc ça fait. Voilà, je n'ai pas trop à m'occuper de ça. J'ai plein d'autres choses à faire sur World of Warcraft. Par exemple, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'augmente mes autres persos, les autres classes, pour vous sortir les vidéos sur les différents trucs de Légion, en fait. Qui, je pense, serait intéressant pour vous. Mais c'est vrai, j'ai pas trop le temps. J'ai d'autres jeux sur quoi tourner. J'ai des lives à faire. Allez, on va aller go en Uldum. Tranquillou. Je veux dire en Uldum pour aller en Silithus. Alors, je sens que je me fais engueuler en disant, tu sais qu'il y avait un chemin plus simple, même si je vois qu'il y a tout le monde qui prend Silithus. Uldum, je veux dire, qui prennent le portail d'Uldum pour aller en Silithus. Donc, c'est pardonnable.
J'espère juste qu'il va pas y avoir des alliés qui vont arriver. Regardez, il y a des hordes, on va leur taper dessus parce que je suis en serveur PVP en fait. Et malheureusement, les petits alliés, bah, souvent, voilà, c'est ils aiment bien s'en prendre à ceux qui veulent faire les quêtes tranquilles. Alors, on va me dire, oui, mais t'avais pas qu'à prendre un serveur PVP. Ah bah il y a toujours un squelette ici, c'est affolant. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Appel de l'auteur, feu de joie de l'Alliance, garde flamme de l'ultime. What? Ah oui, c'est vrai. Bon, ok. Eh ben allons-y face à cette épée gigantesque. Gigantesque. Et oui, parce que moi, souvent, les petits alliés, c'est souvent, ils me veulent, tu vois, genre, tranquille, je me promène, je fais une quête, d'un coup, je vais me faire taper. Au début, je vais être là en mode quoi? Je vais être là en mode le mob, il me fait super mal, c'est pas possible. Et après, bah, tu vois que c'est un petit gnome fufu, et t'es là, et tu fais. Tu fais quoi là? Ça m'est arrivé une fois, j'étais sur Argus, hein, je parle le temps du voyage. J'étais sur Argus et à un moment j'ai arrivé là où il y a les croquilisques sur la lave verte, on peut dire ça. Et genre d'un coup je vois, je perds ma vie, je fais mais what the fuck, un croquilisque me fait pas ça en dégâts. Mais au final je me suis rendu compte c'était un petit fufu gnome. Et bah, à ce moment j'étais là en mode. Oh my wa machine des loups. Je suis arrivé, je l'ai éclaté, j'ai eu 3 anéantissements en coup critique, j'étais en mode allez va niquer ta mère. J'étais en mode non mais attends, le mec il a cru vraiment ma mort. Alors allons ici là, bah le camp de l'or. Je sais pas où il se trouve le camp de l'alliance, il doit être de l'autre côté je pense. Non, par là-bas. Il est, voilà, spécialiste des trajets En aériens. quoi tu Je dois m'entraîner avec Magni, cherchais barbe de la ronde. victoire? Putain, on aurait pu y aller en voyage, quoi. Alors, c'est où? Ouah, c'est de l'autre côté. Avant-poste du crépuscule. Je sais même pas où est le poste de l'Alliance. Vous savez, la dernière fois, j'avais fait une vidéo à 535 vues. Je vous remercie. Et on avait fait, bah, on devait récolter, tuer des gars du CI7, je crois, et ici tuer 2-3. J'allais dire des Rachni, mais ça c'est Mass Effect, 2-3 Silithid, et après aller niquer les gars du Crépuscule qui restaient. Ah, très bien, d'accord, on a notre truc de la Horde. Je pense que ça doit être la même chose pour l'Alliance. Pourquoi tu fais le tour? Ce truc là, moi une fois je me suis rapproché ici, t'entends? J'étais en mode wow. Ok, on a quoi? On a Eltrig, on a Damliadrin, on a Riti, Arneflamme, un chaman. Valyra Sanguina. What the fuck, qu'est-ce qu'elle fout là, Valyra? Ah oui, c'est vrai, c'est une F200. On a Rhaegar. Ah, le retour de Rhaegar, je l'aime. Et Aldurion Luzhal qui lui doit faire partie de. Je sais plus quoi. Je savais que vous, Azor a toujours su qu'elle pouvait. Bien maintenant, mettons-nous au travail. L'épée ça déborde d'énergie, mais fille qui se dehors au sein des ordres, tel un puzzle. Pour cette épée doit être tarée. Vous pouvez y arriver, mais ils servent déjà à fermer la tombe. Il faut donc trouver d'autres étapes capables d'accueillir de vastes quantités. Oui, comme les arbres prodigieuses. Ah! Mais si on n'agit pas, Milien, à coup sûr, mourra à coup sûr. Protégeons notre monde! Je suis prêt. Faisons le rituel. Oh. L'épée de Sargeras empoisonne l'essence vitale de notre planète. Seules les armes que vous portez sont capables de contenir un tel pouvoir. Unissez-vous et brassez. Extirpez la corruption de la lame du Titan noir. Tous ensemble, champion, pour Azeroth. Très bien, très bien. Et donc, non, j'ai rien. Je vais voir ma production. Waouh, 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 j'ai trop de puissance. Arrêtez.
Oula! What the fuck? Ma puissance n'arrête pas d'augmenter, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Genre, what the fuck? Mais stop, genre, je sais pas si ça fait quelque chose. Non, non, ça doit être fait exprès, mais genre, putain. Ceux qu'on peut. On va dire un ordi qui tourne à peine Légion, j'imagine pas le. J'imagine pas les effets. Parlons-lui, parlons-lui. Je parle pour Azeroth. Souffrance d'air refluée, même si ce n'est que très légèrement. Vous avez été efficace, héros, vous avez cordonné un sursis à notre monde. Nous d'autres moyens de guerre complètement s'appliquent entre la Horde et Léon. N'oubliez jamais votre devoir envers Azeroth. BFA. Pour Azeroth. Vous avez réussi. L'épée de Sargeras s'est neutralisée. Azeroth est loin d'être guéri. Ouais, mais, bon. Mais nous avons gagné un temps précieux. Cette énergie qui parcourt votre arme, je n'avais jamais rien vu de tel. Mais souvenez-vous-en, le pouvoir a toujours un coût. Ah, trop de puissance. Vous attendent. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais votre devoir envers Azeroth. Magni, j'ai un truc à te dire. BFA. Genre avec BFA. Maître des coursiers. Eh ben, j'imagine qu'on a fini, alors c'est un peu... Bah, voilà, quoi, c'était... On va dire, cette quête ne servait à rien, en fait. Waouh, regardez, toujours plus de puissance prodigieuse, waouh. Non, clairement, ouais, elle servait... Attends, est-ce que si je peux activer ma barre? Attendez, c'est où les... Interface, barre d'action... ça doit être où... Bartender... Puissance prodigieuse. Est-ce que la puissance prodigieuse augmente? Non. Elle augmente. Et ben voilà, on va se finir là-dessus. C'était une petite quête sympa, voilà, c'était pour savoir l'unique raison. Et en fait, c'était vraiment pour enlever la corruption. Alors, normalement, on devra changer nos armes pour BFA, à ce que j'avais compris. Alors, est-ce que l'épée va se casser à un moment? J'en ai aucune idée. Voilà, en tout cas, je vous dis... A la prochaine pour d'autres vidéos sur World of Warcraft. De toute façon, on continue les Let's Play avec Pestenor, même si en ce moment il est moins présent, donc on tourne pas trop les vidéos. Alors, ça fait, il y a des moments où on va être en retard. Alors, ça fait pour BFA, je tournerai avec mon main, tout simplement. Alors, il sort le mois d'août, donc je travaillerai le mois d'août. Donc, j'essaierai de temps en temps de faire des vidéos et de les poster au plus vite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Gros bisous, et sur ce, bye bye, et merci encore. Allez, bisous. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus et les abonnements. Sur ce, à la prochaine. Sur ce, merci encore et bisous.